Comment gagner en productivité lorsqu'on bricole dans son atelier? On va vous présenter 5 outils, tout ça après le générique. Salut à tous et à toutes, c'est Kevin et Thomas pour le blog Bof et Ciseaux, le meilleur endroit pour apprendre à faire ses meubles plus rapidement, plus facilement, avec des matériaux de récupération. Comme on vous l'a dit en début de vidéo, on va vous présenter donc les 5 outils qui vont vous permettre de gagner en confort, en précision et en productivité lors de vos sessions de bricolage. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin car on va vous présenter l'outil qui va vous faire vraiment gagner en productivité. Et on commence tout de suite avec le premier outil. Les terres à combiner. Alors les terres à combiner, c'est tout simplement une éther un petit peu spéciale car on peut venir régler une réglette sur le dessus. Donc je vais vous faire rapidement le tour de l'outil et ensuite Kevin vous expliquera à quoi ça sert. Donc dessus, on a un côté d'éther et aussi un côté à 45. Nous avons une petite bulle qui peut nous aider à faire des niveaux. On a une petite molette pour régler la réglette qu'il y a dessus et une petite pointe pour tracer. Des équerres à combiner, vous allez pouvoir en trouver de différentes tailles, différentes formes, plus ou moins, puisqu'on retombe bien souvent sur le même principe exactement. Donc tout l'intérêt de ce genre d'outil, c'est de pouvoir tracer rapidement, selon donc la cote que vous aurez choisie, donc de tracer des pièces de manière répétitive et précisément. Donc vous allez pouvoir donc dans un premier temps régler l'écartement que vous avez choisi. Et puis après, hop, si on prend un bout de bois, on va pouvoir venir tracer comme ceci. Simplement en venant en appui sur notre face de référence, vous allez pouvoir tracer facilement, voilà, la parallèle. Ça, c'est la première utilisation de l'équerre combinée, c'est-à-dire qu'elle va nous servir de trusquin. Ensuite, comme son nom l'indique, c'est une équerre, donc on va pouvoir bien évidemment tracer l'angle à 90 degrés selon donc toujours une surface de référence, donc on va pouvoir l'utiliser comme équerre, mais également en utilisant donc l'autre talon de cet équerre à combiner, on va pouvoir également tracer donc l'angle à 45. Voilà donc pour ces quelques utilisations. En ce qui concerne la bulle du niveau qui est donc sur ces équerres à combiner, on les utilise même pas du tout, j'allais dire rarement, mais on les a jamais utilisés. Il vaut mieux utiliser donc un niveau à bulle qui aura une plus grande surface et donc qui sera beaucoup plus précis que ce type d'outil. En revanche, une autre utilisation qu'on a de l'équerre à combiner, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser comme pige, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler donc la profondeur, par exemple d'une mortaise ou d'une rainure, voilà, vous allez pouvoir facilement venir contrôler donc la hauteur que vous venez d'usiner sur votre pièce de bois. En plus de l'utiliser comme une pige, vous allez pouvoir également l'utiliser pour régler vos outils avant d'usiner, c'est-à-dire vous allez pouvoir par exemple régler la hauteur de votre lame de scie sous table par exemple, en ayant au préalable donc réglé la hauteur choisie, vous allez venir comme ça contrôler donc que cela corresponde bien à la hauteur de votre outil, de même que sur la hauteur d'une fraise de défonceuse par exemple. Voilà, vous avez découvert le magnifique outil de l'équerre à combiner. On a parlé au tout début que ça pouvait faire trusquin, donc c'est le second point, le trusquin. Qu'est-ce qu'un trusquin? C'est l'outil que je tiens dans ma main. Donc là encore une fois, tous ne ressembleront pas à celui que nous possédons. Il en existe en bois, il en existe en métal, de différentes formes. Vous allez même pouvoir les réaliser vous-même. Mais dans le principe, qu'est-ce que c'est? On a une surface de référence qu'on va venir appuyer donc sur la pièce que l'on veut tracer, puisque c'est un outil de traçage, j'ai oublié de vous le dire dès le début. Et donc, avec cette surface de référence, vous avez une molette qui vient coulisser. Du coup, c'est un outil facile d'utilisation. Vous venez régler, donc là on a l'avantage d'avoir une graduation, mais vous pouvez régler avec un réglé ou une éther. La dimension que vous voulez tracer, ça permet de faire des tracés parallèles. Et ensuite, vous venez vous mettre en applique et tirer vers vous ou pousser pour venir tracer. Nous, on a l'avantage d'avoir une petite lame, ce qui permet de couper la fibre
si admettons on veut faire une mortaise, mais il existe aussi, donc comme vous l'a dit Kevin, avec une pointe à tracer. Vous retrouverez donc plusieurs formes, vous pouvez en retrouver avec deux piges. L'intérêt c'est de pouvoir tracer en même temps les deux côtés de votre mortaise. On peut également l'utiliser donc comme pige, comme les terres à combiner, pour voir une profondeur. On peut l'utiliser pour aussi régler la fraise de défonceuse ou la lame de la scie circulaire sous table. Donc voilà, en gros, ça peut quand même faire à peu près la même chose qu'une éther à combiner, sauf les tracés d'éther et à 45. L'avantage d'avoir les deux, c'est que vous pouvez en tracer un, admettons à 1 cm, et l'autre à 2 cm, et tout tracer d'un coup sans devoir dérégler votre outil à chaque fois. Donc l'intérêt de cet outil, c'est de répéter un tracé, et donc à éviter de mesurer si tu es un peu moins précis. On vous conseille de prendre les outils, le trustien comme l'éther à combiner en métal, pas en plastique, parce que ça aura plus tendance à bouger, notamment l'éther au niveau de l'éther, tout simplement. C'est vrai que les outils en plastique vont avoir tendance à s'user rapidement. Et après, on va perdre en précision puisqu'on n'aura plus la surface plane d'origine. Et ce fameux outil de coupe dont on voulait vous parler et qui va vous faire gagner en productivité, c'est la scie, et pas n'importe quelle scie, puisque on va parler de scie japonaise. Donc explique-nous quelle est la différence réellement avec une scie à main qu'on prend classiquement... La scie occidentale. Voilà, la scie occidentale. Ok, la différence entre une scie japonaise et une scie qu'on trouve plus communément chez nous, donc c'est que la scie japonaise va s'utiliser en tirant, contrairement à une scie occidentale qui, elle, s'utilise en poussant, puisque les dents ne sont pas orientées de la même manière. De plus, les scies japonaises ont la particularité d'être plus fines et d'avoir une denture qui ne dépasse pas du reste de la lame, contrairement aux autres scies qui peuvent avoir des dents qui sont ouvertes, et donc vous aurez un trait de coupe qui sera plus large que la lame elle-même. Finalement, on pourrait penser qu'il n'y a pas une grosse différence entre une scie japonaise et les autres scies qu'on a l'habitude d'utiliser. Eh bien, détrompez-vous, puisque le fait de tirer lorsqu'on coupe en utilisant donc une scie japonaise va permettre de bien tendre la lame, et donc on aura une coupe qui sera parfaitement plane. Alors que quand on pousse, on peut avoir la lame qui va partir à droite ou à gauche avec un petit mouvement de flexion, et puis ça peut vraiment, un peu jouer sur la précision en tout cas de notre coupe. Quand est-ce qu'on va utiliser une scie japonaise? On va l'utiliser après un assemblage, une fois qu'on aura pour donc simuler donc le fait de mettre un tourillon. Grâce à la scie japonaise, on va pouvoir venir très rapidement couper notre tourillon ou notre assemblage s'il dépasse de manière très précise en suivant donc la surface de la pièce de bois sans pour autant l'abîmer, chose qui est compliquée avec une autre scie. Vous trouverez dans le commerce différents types de scies japonaises avec donc différentes dentures. Il en existe même avec des doubles dentures, donc c'est-à-dire des dents de chaque côté de la lame. Ces dents peuvent être différentes au niveau de la finesse, donc avec des dents qui sont plus grossières d'un côté et plus fines de l'autre pour un travail de précision, ou bien des lames qui vont servir à déligner d'un côté ou à tronçonner de l'autre. Donc n'oubliez pas, quand vous utilisez vos scies, de bien maintenir vos pièces de bois. Ça sera le sujet suivant, les serre-joints rapides. Donc pour les serre-joints rapides, on veut parler des serre-joints par exemple à cliquer ou des serre-joints à une main. Quel est l'intérêt? Déjà, le serre-joint à une main, c'est de pouvoir l'utiliser très facilement en tenant votre pièce de bois et en venant la serrer. C'est nettement beaucoup plus rapide qu'un serre-joint qu'il faut tenir à deux mains, venir et visser. C'est la même chose que ce serre-joint, vous venez le poser et vous faites que serrer. Après, vous pourrez retrouver ces deux serre-joints qui peuvent s'adapter sur un rail de guidage de scie circulaire plongeante par exemple. Et donc l'avantage d'avoir celui-là, c'est que vous allez le mettre dessous et le serrer de suite et le desserrer très rapidement, parce que celui-là, il va falloir visser, dévisser, et généralement c'est un peu plus dur quand même à la main qu'avec un effet de levier comme celui-ci. Dernier point des serre-joints rapides comme celui-ci ou les serre-joints à une main, c'est que vous pouvez les adapter sur un établi avec une surface de travail MFT. Par exemple là, le rentrer dedans, le serrer, ou même chose pour celui-ci, on enlève la tête, on la passe dessous, on vient le clipper
et après on peut venir serrer. Vous voyez l'intérêt des serre-joints rapides, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et comme Thomas vient de vous le montrer, ce type de serre-joint prend tout son intérêt lorsqu'on possède un bon établi. Et ça, c'est l'outil numéro 5 qu'on voulait vous présenter aujourd'hui pour gagner en productivité. Posséder un bon établi dans son atelier est primordial. Vous allez voir que vous allez gagner énormément en temps, en confort et donc en plaisir lorsque vous allez bricoler. On vous a proposé une vidéo dans laquelle on vous a montré donc la réalisation de cet établi avec un plateau de type MFT, donc c'est-à-dire avec l'ensemble des perçages que vous pouvez voir sur le dessus. On vous met donc la vidéo en lien, n'hésitez pas à aller la consulter. Vous retrouverez également tous les plans pour pouvoir concevoir donc cet établi ou l'adapter à vos besoins. Quelles sont les fonctions qu'on demande à un établi? C'est tout d'abord d'avoir une surface qui est stable, sur laquelle on va pouvoir poser des charges lourdes, et donc sans pour autant que ça bouge. Premier point, la stabilité, la solidité également. Voilà, il ne faut pas avoir peur de taper dessus. Et puis ensuite, on va utiliser l'établi pour fixer nos pièces, pour les travailler, pour les usiner. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir travailler sur les trois faces, donc à plat, en utilisant donc les serre-joints que Thomas vient de vous montrer, donc un serre-joint rapide. Hop, on va pouvoir facilement fixer sa pièce pour éviter qu'elle ne bouge quand on va vouloir travailler donc sur le dessus. On va pouvoir également fixer une pièce pour la travailler donc sur le champ, donc de plusieurs manières, soit en venant donc la fixer sur le côté de l'établi comme ça avec les rebords qu'on a prévus, ou on peut également hop, voilà, la fixer simplement sur le côté de l'établi pour voilà, travailler donc sur le champ. On peut même travailler de la même manière en bout, il suffit simplement donc de la tourner. Voilà, donc ça c'est l'intérêt d'un établi. Et donc le dernier point que doit vous apporter un bon établi, c'est du rangement, de façon donc à garder la surface propre, dégagée. Donc on va pouvoir y placer les outils dessous, dans des tiroirs, et donc rester organisé lors de vos sessions de bricolage. Et on arrive maintenant au point bonus, celui qui va vous faire gagner énormément de temps dans votre atelier. On parle bien sûr des gabarits. Alors des gabarits, il en existe de toutes sortes, on peut encore en inventer, on peut tout faire. Donc les gabarits qu'on a sur l'établi, ce sont des gabarits qui sont destinés à la défonceuse. Donc exemple, ce gabarit là permet de faire des cercles parfaits qu'on peut régler simplement grâce à cette molette, et ça évite aussi de faire entortiller le fil d'alimentation de la défonceuse et le tuyau d'aspiration, et ça nous fait gagner énormément de temps. Un autre gabarit ici qui permet de faire des mortaises sans réglage. Ici, un gabarit qui permet de faire des rainures d'éther à une surface aussi sans réglage. Voilà, comme vous montre Kevin, on vient poser sa défonceuse contre et on peut faire une rainure. Mais on peut également l'utiliser lorsqu'on veut faire des découpes à 90 degrés, donc avec la scie circulaire. Voilà, alors on arrive aussi à faire des tenons avec ceci. Et ensuite, un dernier gabarit qui nous fait gagner énormément de temps, c'est en gros la représentation de la semaine de notre défonceuse avec les fraises qui peuvent être en diamètre de 8, de 12, de 20 et tous les autres. On vient tout simplement se placer sur notre pièce de bois, mettre une butée ou ce gabarit-là, et on peut ensuite faire notre tenant, faire notre rainure sans aucune mesure. On est donc précis, on gagne du temps, on travaille dans le confort et on se fait plaisir. Comme vous l'avez compris, tous ces gabarits, on les a réalisés maison. On en a encore plein d'autres qu'on ne vous a pas sortis. Mais voilà, après, vous avez compris le principe. Voilà, on vient de vous présenter les 5 outils qui vont vous faire gagner en temps et en productivité dans votre atelier, mais également quelques-uns de nos gabarits que l'on utilise au quotidien pour nous faciliter également le travail. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un petit pouce bleu. Posez vos questions ou laissez-nous un commentaire juste en dessous. C'était Kevin et Thomas pour le blog Bois, Fais, Ciseaux, apprendre le bricolage ensemble et simplement. Allez, ciao! Ciao!